Nous arrivons à la fin de l'année 2019, le jour où j'enregistre cette vidéo. Je fais attention parce que sinon je vais tomber. Et comme chaque fin d'année, c'est le solstice d'hiver. Et c'est un bon moment pour pouvoir faire un petit point sur sa vie, sur comment on a passé cette année. Et puis, comment est-ce que l'on voudrait redémarrer l'année qui arrive. Et comment, bien sûr, se reconnecter à soi et à ses vraies valeurs. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo. Bonjour, je m'appelle Mika Denisseau, je suis le fondateur de Soul in the Mind et aussi le fondateur des académies de self-mastery, la maîtrise de soi et d'émergence spirituelle. Alors, ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est vraiment comment se reconnecter à soi, mais aussi comment se reconnecter avec la nature. Quand on arrive en fin d'année, comme c'est le cas aujourd'hui, enfin le jour où j'enregistre la vidéo, on a toujours ces sentiments de se dire « Ok, comment est-ce que j'ai fini mon année? Qu'est-ce que je vais faire l'année d'après ?» On parle de nos vœux, de mettre en place des vœux, de prendre des nouvelles initiatives pour l'année à venir. Mais prendre des nouvelles initiatives sans regarder ce que l'on a fait pendant cette année, donc ce qu'on a fait de bien pour nous, et puis regarder aussi ce qu'on a raté, par exemple, ou ce que l'on n'a pas, pas mené à bien. Hein, souvent, c'est ça, c'est qu'on a énormément de projets, et puis on mène pas tout à bien. Donc, poser ça sur la table, oups, j'ai failli tomber, je suis en train de marcher en même temps dans la forêt, poser ça sur la table et puis faire un point sur sa vie. Alors, l'année dernière, j'avais fait un PDF avec des questions. Regardez, là j'ai le Mont Agung juste derrière moi, je fais une petite pause pour que vous puissiez le voir. Vous avez ici le magnifique volcan du Mont Agung. L'année dernière, j'avais fait un PDF, c'était des questions qui s'appelaient une auto-analyse, un point de vie complet. Alors, je vous invite à le télécharger, vous avez le lien sous cette vidéo ou alors il s'affiche un peu plus haut. Et donc, sur ce PDF, il y a une série de questions, un petit peu sur tous les plans, sur toutes les zones de vie, mais aussi sur les zones de vie spirituelles, la zone de vie aussi écologique, puisque aujourd'hui c'est important. Ce sont des questions à se poser pour pouvoir justement bien se préparer pour l'année à venir. Ce que je vous invite cette année, aujourd'hui, d'abord, c'est de re-télécharger ce PDF, puisque vous pouvez l'utiliser chaque année. Ce n'est pas fait juste pour un an, mais chaque année, vous pouvez l'utiliser. Et ensuite, vous posez d'autres questions, c'est-à-dire, quelle est la reconnexion que vous avez avec vous-même? Je parle souvent dans mes vidéos de déconnexion à soi, par la connexion aux choses qui nous entourent. On est tellement submergé par l'informatique, on est tellement submergé par les réseaux sociaux, que l'on s'oublie soi-même, c'est-à-dire que l'on passe plus de temps à passer du temps avec les objets informatiques, avec les autres sur les réseaux, que de passer du temps avec soi. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est qu'en plus de répondre aux questions, donc je ne vais pas revenir dessus, que vous allez pouvoir répondre grâce, je vais passer par ici, grâce à ce PDF, répondre en même temps à ces questions, comment est-ce que vous êtes connecté à vous-même? Et en même temps, comment est-ce que vous êtes connecté à tout ça? C'est-à-dire tout l'environnement ici qui nous entoure. La connexion au monde nous permet d'être connectés avec nous-mêmes. Pour ça, un exercice très simple. Lorsque vous ouvrez vos volets, le matin, regardez par exemple les arbres et dites-leur bonjour. Lorsque vous voyez des oiseaux, dites-leur bonjour. Lorsque vous marchez comme là dans la forêt, dites bonjour à tout ce qui vous entoure. Dites salut, salut aux arbres. Et puis peut-être que vous allez voir aussi les elfes si vous êtes croyant. Dites bonjour aux anges. Ici à Bali, on dit bonjour aux esprits de là où on passe. Et à chaque fois que l'on passe quelque part, on se retrouve face à des esprits. Alors je vais vous faire voir. Alors je vais remonter parce que vous allez voir qu'on est rentré sur ce terrain avec des balinés. Et on a bien sûr dit bonjour aux esprits. Et vous allez voir comment est-ce qu'on a dit bonjour. Donc ce que je vous invite aujourd'hui, c'est justement reprendre contact avec ça. Reprendre contact avec les arbres. Reprendre contact avec les oiseaux. Reprendre contact avec les anges autour de vous. Reprendre contact avec les esprits qui nous entourent. Nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas les dieux sur terre. Il n'y a pas que les humains. Il y a aussi les non-humains. Reprendre contact avec les non-humains. Dites bonjour. Alors ici, il y a à peu près 500 singes qui traînent, qui normalement font des dégâts aux cultures, sauf si on leur donne à manger. Et si on leur donne à manger, ils deviennent nos amis. Donc ce que je veux dire par là, c'est que lorsqu'on se reconnecte avec ce qui apparemment pourrait nous détruire, et lorsqu'on se reconnecte de bonne façon, de bonne manière, du coup, cette reconnexion est telle que l'on devient ami et on devient connecté à
à la nature, on devient connecté au non-humain. Plus vous allez dire bonjour au monde environnant, au monde qui vous entoure, plus vous allez vous sentir connecté à cet univers et plus vous serez reconnecté avec vous-même. Et c'est ça qui est important, surtout en fin de vie. Donc là, je suis avec justement avec des balinés. On a ici le chef du village, voilà, qui est ici. Et puis, on en a un autre ici qui est là. Voilà. Donc, je vais vous faire voir un petit peu comment, Samuel Casiliata, comment est-ce que lorsque l'on arrive sur un terrain ou dans un endroit, un environnement, on parle tout simplement aux esprits. Voilà, ce qu'on fait, c'est qu'on va déposer des offrandes, comme là, avec de quoi manger, avec de l'encens, en demandant la permission pour pouvoir rentrer. Ou alors, partout sur tous les terrains à Bali, vous avez ici des petits temples. Ce sont des esprits qui gardent l'endroit où nous nous trouvons. Et à chaque fois que nous rentrons, donc chaque jour, nous mettons des encens, de l'eau, de la nourriture, afin de les nourrir aussi et de leur dire que nous sommes connectés à eux. De ce point de vue, eh ben, ils nous protègent. Voilà donc mon message pour cette fin d'année, en tout cas pour ceux qui passent les fêtes de Noël. D'abord, je vous souhaite de bonnes fêtes de Noël. Je vous invite fortement à vous reconnecter avec vous-même, mais surtout à vous reconnecter avec le monde autour de vous. Faites l'expérience, dites bonjour aux arbres tous les jours, dites bonjour aux animaux tous les jours, dites bonjour aux esprits tous les jours, dites bonjour à vos anges tous les jours, et vous allez voir que vous ne vous sentirez plus jamais seul. Et vous allez, votre esprit va s'élever, vous allez avoir des idées beaucoup plus claires, et puis vous allez surtout vous sentir connecté à vous-même et connecté avec tout ce qui vous entoure. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous motiver à vous reconnecter avec le monde, à vous reconnecter avec vous-même. N'oubliez pas de télécharger le PDF pour pouvoir faire votre auto-analyse. Et puis, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous souhaite de passer un bon Noël si vous fêtez Noël. Et puis, je vous dis comme d'habitude, à la semaine prochaine pour continuer à apprendre, évoluer, partager ensemble. Merci, au revoir.